nigérien. Mon cher Patrick, dans un communiqué de presse, en date du 21 février dernier, le jour même de la tenue du second tour de l'élection présidentielle, et ce, seulement quelques instants après la fermeture du bureau de vote, la coordination de campagne électorale du candidat du RDR, Djadji, son Excellence Mamadou Ousmane, a tiré l'attention des Nigériens et de la communauté internationale sur les graves manquements observés dans le processus électoral. Ces manquements relevés sur l'ensemble du territoire national sont la substitution des PV issus des bureaux de vote par des PV préfabriqués, l'achat de consignes, le vol de les menaces et intimidations des électeurs, des agents électoraux, principalement nos délégués, les braquages d'urnes et diverses manipulations notamment. Les cas des circonscriptions électorales de Berne, de Tagris, de la région de Marrakech, celle d'Adarbissina, de Dabaga et de Timia, dans la région de la Grèce, et de 15 autres circonscriptions de la région de Tawa sont illustratifs à ce sujet. Ce faisant, Issoufou Mahamadou et son clan persistent à défier le peuple souverain du Niger et à démontrer sans embâche, clairement et massivement, son attachement à la République, à la démocratie et à l'état de droit, à l'alternance démocratique. Les résultats qui sont en cours de publication par le Sénat ne sont pas, dans beaucoup de cas, conformes à l'expression de la volonté du peuple et prouvent à suffisance qu'un nouveau hold-up électoral est en cours au Niger. Convaincu que rien, absolument rien, ne peut s'opposer à la volonté du peuple souverain, nous exigeons la suspension immédiate de la publication de ces résultats qui ne prennent aucunement en compte la volonté exprimée par le peuple nigérien en faveur du changement. Et aussi, je demande à tous les Nigériens soucieux de la préservation des valeurs fondamentales de la République et de la démocratie de se mobiliser comme un seul homme pour faire échec à ce hold-up électoral que Mahamadou Issoufou et son clan sont en train de perpétrer contre la société du peuple. Je vous remercie. Ouais.